Oui. Ah. Oh, oui. Ouais. Ok. Tu vas me redonner des nouvelles si tu l'as. Ok. Dès qu'il y a du développement, là, si. Je veux que tu m'appelles. Ok. Salut. T'inquiète, j'ai besoin de tes talents. En fait, je t'explique. J'ai un projet pour le cours de français 4. Okay. Il demande de faire une couverture de magazine. Puis moi, j'ai tous mes articles de prêt. Mais si je suis vraiment pas de bon dessin, j'ai pensé à toi, vu que t'es un art plastique. Que peut-être tu pourrais juste m'aider à faire quelques petits dessins. Oui, oui, des petits drapeaux. Plaisir. Ou oui, des trucs comme ça, là. Oui, ben les drapeaux, c'est quoi? Bon, on a ouais, en fait, j'ai. Salut, Cassia. Je te présente Catherine. Catherine, ma salut. Salut. Ouais, moi aussi. Bah voilà, en fait, le thème, ça serait le côté international, donc c'est génial. Ok. Ça travaille fort? Ouais. Tu fais rien, s'il te plaît? Bon, pas grand chose. Ah, okay. Félix? Salut. Salut, Félix. Salut. Ah, je suis parti marcher. Seul? Ouais. Ah, ouais. Ah, je vais t'accompagner. Bon. Bonne nuit, chaud. Bah, salut. Hey, on s'envoie? Ouais, salut. C'était Félix. ouais, donc je sais pas si. J'adore ton pigeon. Non, c'est la Hey Félix, hey! Parti tout seul comme ça? Ouais, j'avais le goût de prendre l'air un peu. Là. Ça va pas? Non, ben j'ai pas eu des super bonnes nouvelles là. C'est ça, j'ai eu un téléphone, ma mère est malade. Elle a le cancer. Là. Disons que. Ça file pas, là. Donc, je fais un cancer à ça. Là. Une nouvelle qui fait ça? Ouais. Ça, puis aussi, tu sais, mon choix scolaire, là, que ça, c'est. Ça me brosse dans la tête aussi beaucoup. Ben écoute, essaye de penser à. Je sais pas, à l'état d'esprit que t'avais quand t'es arrivé à l'école. Retourner à la base, c'est quoi qui t'a motivé d'entrer dans ce programme-là? Ben, c'est sûr, ma première motivation, moi, c'est ce que j'ai toujours aimé. C'est les chantiers, les gros camions, ouais. Tu sais. Puis écoute, moi, je jouais dans mon carré de sable, je jouais avec mes Tonka, puis j'ai tout le temps trippé, puis j'ai regardé à la TV, ah ouais. Puis ça m'a tout le temps fait tripper. Puis en plus, ce que je vois de bon pour maintenant, c'est que, tu sais, je regarde là, ce qui s'en vient. Comme là, t'as le parc des Laurentides qui est en train de se construire. Après ça, t'as Ismaine qui sont en train de compléter. On a Rupert qui est en train de se faire. C'est un autre gros projet, tu sais. Gros projet, non. Fait que ça, c'est une autre motivation. Puis en plus, ben c'est que je vois les bons employeurs dans tout ça aussi. Tu sais, je regarde ta ministère des Transports, ta Hydro-Québec, c'est tout ici. Là, on ouais, est... En plus, t'es au Québec, c'est ça? Ben, c'est ça, tu sais, on est capable de rester chez nous, de travailler chez nous. C'est ça que je vais me baser là-dessus. Avant de terminer le cours, je sais qu'on a eu un cours assez chargé. J'aimerais vous parler de la possibilité que vous avez de vous inscrire à une compétition de pont comme projet dans votre cours. C'est un projet très intéressant. C'est un pont qu'on fait en bâton de popsicle. Je pense que ça va être un projet là, super intéressant pour vous autres. Vous pouvez quitter. Merci. Hey Denis, j'avais une couple de questions pour toi. Parce que, tu sais, moi, j'ai fait mon choix, c'est en génie civil, tu sais, mais je suis pas convaincu encore, puis tout ça, puis, tu sais, j'aimerais ça que tu m'expliques, parce que c'est vrai, je le trouve vaste un peu, le programme, mais je voulais savoir un peu, tu m'expliques un peu les branches, puis plus, un peu, hein, plus détaillé, un peu, c'est quoi le... Oui, c'est vrai que c'est vaste, puis essentiellement, il y a, comme on existe, nous autres, pour deux types de constructions, si on peut dire... qu'on fait le plus. Donc, c'est les constructions qu'on fait, c'est soit des structures ou des infrastructures. Ce qu'on entend par structure, c'est les structures des ponts, des viaducs, les tunnels, les barrages et les structures de bâtiments. Lorsqu'on parle d'infrastructures, donc on va parler des routes, des rues, dans lesquelles il va y avoir des égouts, des aqueducs et fait tout ce qui va finalement dans la composition des rues. Et puis, parallèlement à ça, on peut dire, pour être capable de faire ces travaux-là comme il faut, il existe, faut faire aussi ce qu'on appelle la surveillance et de l'organisation de ces chantiers-là. Donc, quand on fait de la surveillance, c'est-à-dire que là, on a une autre ligne qu'on appelle
la ligne des matériaux dans laquelle, par exemple, si, je sais pas moi, dans un ouvrage quelconque ou, par exemple, dans un pont, il y a des piliers en béton, ce qui va arriver quand même assez souvent, l'étudiant doit apprendre dans son cours comment, par exemple, aller vérifier la qualité, finalement, de ces matériaux-là. C'est quoi la formule ATE? J'ai entendu parler de ça. Bon, la formule alternance travail-études, c'est une formule que l'étudiant, après sa première année, il peut s'inscrire. Il peut s'inscrire et il travaille en génie civil dès la première année où l'étudiant va faire un petit peu toutes les tâches, dépendamment de ce qu'il aime. Donc, il peut choisir un stage dans une place ou l'autre. Et l'étudiant, ce qui est le fun, c'est qu'il redevient après la deuxième année, après la première année, c'est-à-dire très motivé pour la deuxième et troisième année de son programme, ce qui est vraiment intéressant finalement. Si une personne comme moi, mettons, là, qui voudrait continuer à l'université, y a-t-il des possibilités? Oui, il y a des possibilités. Il y a des possibilités avec l'UQAC. On offre un DECBAC qui est finalement 2-3 ans ici et 3 ans là-bas. Je t'offre à aller rencontrer la conseillère en orientation pour valider ça. Puis je te souhaite bonne chance. Tu vas me dire tout de suite à qui tu parles en anglais. Un ami. Bon. Un ami. Eric. Ouais, un ami. Salut, comment ça va? Ça va bien. Ça va bien. Bon. Ben, je sais vous mentionner que c'est moi là. Attention. Me voilà. C'est pas tout le monde qui est à l'heure. Salut. Le retardé. Moi aussi, je suis presque à l'heure. Ouais, presque. Tu sais faire ton entrée. Oui. Hey, ma place parmi vous. Quelque chose à vous dire? Oh. La semaine passée, j'avais eu des mauvaises nouvelles, mais cette semaine, j'en ai eu vraiment des bonnes. Donc, ça a arrangé quelque chose. Je dis pas plus. À soir, là, on va fêter ça au bord. Ensemble. Hey, moi, j'ai un match d'impro à soir avec les trafiquants. Ça serait le fun si vous venez. Très bien, OK. C'est bon.